Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Bugs Bunny Voyage à travers le temps sur PlayStation. Pardon. Et on continue notre chemin avec un nouveau niveau au Moyen-Âge. Et c'est vraiment important de faire ces niveaux d'abord. Je dis ça parce que c'est ces niveaux-là qui débloquent des power-up et qui permettent d'avancer dans les autres niveaux. Alors, si je me souviens bien, là, on m'a en chié. Parce que c'est un très très long niveau. Ah, c'est typique Looney Tunes, ça. Obtenez 10 de ces objets pour recevoir un symbole de pendule. Bon, on croise les doigts qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Alors, je pense pas. J'espère que non. Ah, et j'ai oublié d'aller chercher une carotte dorée quelque part. C'est pas grave. Oui! Alors, explication texte, le chapeau permet d'avoir la caisse à clé. Ah ah! Il faut bien penser donc à détruire tout. Voilà. Sauf que là, vous constatez, il y en a un à bec de canard. Vous savez ce que ça veut dire? On va botter du cul. Non, en fait, il faut... Oh. Oh là là, je suis pas doué, moi. Bon, Bugs. Je savais bien qu'il fallait persévérer. Ok, donc là, on est bon. Ah, déjà Merlin? Cool. Il a quelque chose pour nous, lui? Non, il n'y a rien dans son entre à part. Salut à toi, voyageur du temps. Je peux vous apprendre un tour de magie si vous voulez. Oui. Génial. Très bien, lapin. Écoutez attentivement. Dites hocus pocus devant ce symbole pour atteindre une plateforme ou un objet trop haut. Nous allons pouvoir finir notre niveau. Youpi. Pas trop tôt. Bon voilà, vous connaissez le principe, fouillez tous les recoins pour avoir
des réveils et des carottes dorées. C'est ce qui m'a coûté très cher d'ailleurs dans le niveau hop là, de la dimension X. Donc, franchement, j'aurais pu largement éviter ce deuxième aller-retour. Hop, 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 là, non, tu peux pas passer là, Bugs. Alors. Trop tôt? Non. Alors, est-ce que j'ai autre chose de l'autre côté ou pas? Ou c'est des chemins juste pour... qui servent à rien. Voilà, donc les plateformes fragiles. Il faut faire le saut hélicoptère dessus et après il n'y a plus rien à voir. Alors, je pense que ce niveau peut se faire du premier coup. Mais il est très long. Oh. Ah, il n'y a qu'une cible. Je pensais qu'il y en avait deux. Il a l'air de rien avoir là. On continue. Alors c'est peut-être moi qui suis très lent en ce moment, mais... Oula, j'ai ma capture qui a un peu sauté là. Donc, pas de panique. Ah, il me manque un truc. Il me manque un truc, c'est-à-dire que le Merlin, il faut le choper, je sais pas où. Ok, donc il faut aller au milieu, je pense. Et après, il faut botter les culs du dragon. Je vais vérifier juste en faisant le tour de là, on va se dire... là. Autour de l'arbre, c'est pas un arbre, je sais même pas pourquoi je dis ça. Bon, en frôlant le mur, ça passe, hein. Faut le constater, mais voilà. Avec le tremblement, c'est pas top. Donc déjà, on fait un petit tour du propriétaire. Ça, je pense que c'est pour descendre plus rapidement. Parce que là, c'est de là d'où on vient, me semble. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, le monsieur ? Salut à toi, voyageur du temps. Trouvez les 5 signes de pierre qui manquent, et la pendule que vous recherchez apparaîtra juste ici, dans la zone carotte. Je peux vous apprendre un tour de magie si vous voulez. Génial! Très bien, lapin. Écoutez attentivement. Dites « Sésame, ouvre-toi » devant ce symbole, et vous pourrez ouvrir une porte magique. Impeccable, nous avons tous les power-up.
Et c'était obligatoire de passer par là. Il était même planqué quand même, ce niveau. Et c'est ce qu'il fallait faire pour voir l'étoile d'ailleurs. Donc on est très bon. Fichtre. J'ai raté mon saut. L'avantage du coup, c'est que j'ai pas à me retaper ça. Ok, donc les dragons, il faut leur sauter dessus trois fois. Ça libère deux carottes dorées et un réveil. Et ben, figurez-vous que la première fois que j'ai fait le jeu, je ne le savais pas. Et donc il me manquait plein de trucs à avoir. Donc voilà, les dragons. C'est fait. Je vérifie qu'il n'y en a pas un troisième qui fait chier. Si, il y en avait un troisième. Génial! Allez, on va commencer les petites épreuves du coup. Sésame, ouvre-toi. Ouais, c'est cliché quand même. Hein. Donc là, c'est un niveau long. Celui-là. Hop là, avant que ça se pique le cul. Génial. Hey, c'est pour ça qu'il faut choper. Vérifie juste. Voilà. Tous les ennemis ici doivent nous proposer des petites carottes dorées. Voilà, voilà. Et bien, nous avons fini le premier petit niveau. Donc, challenge raquette, c'est fait. On passe au suivant. Sésame, ouvre-toi. Ah oui, c'est un jeu de, on va dire de mémoire. Hein. Voilà.
suis mauvais. Clairement. Il était là, le jaune. Pas de réveil, juste un... Une petite carotte dorée, une caisse à clés, c'est important. Et surtout une étoile. Ouais, c'était facile celui-là. Ils font toujours marrer, moi, ces dragons. Sésame, ouvre-toi. Allez, deuxième, troisième épreuve sur quatre. Il doit nous avoir une caisse encore Acmé, non? C'est pas bon. Voilà, il va falloir aller vite. Ah, je pensais être passé à côté. Voilà. Oula. Oh. Ah, là, il est pentu de passage. J'ai pas fait attention. Je me méfie, donc je vais marcher doucement dessus. Il m'a l'air bien translucide, le pont. Hein. Voilà. Ça allait aussi. Donc là, c'est parfait. On va avoir la petite caisse Acmé. Et il va falloir bien surveiller s'il n'y a pas une carte dorée sur le chemin. Je le sens gros comme une maison. Voilà. Allez, dernière épreuve qui nous reste, et on a tout bon. Ma capture saute un peu à chaque fois que je sors de niveau, c'est un peu étrange. Sésame, ouvre-toi. Oh l'enfoiré! C'était tellement con pour le battre. Ouais, bon, j'avais pas, j'ai fait ça vite fait. Il faut taper dans le tronc pour qu'il soit dos à vous. Et après, vous lui bottez les fesses. Alors, par contre, il me semble que j'ai manqué des trucs. Génial. Alors, en termes de réveil, non. En termes de carotte, il m'en manque une. Ah, ça, c'est pas bon, parce que je sais pas où. Je l'ai raté. Ah, j'aime pas. Mince alors, j'espère que c'est pas au début du jeu. Au début du niveau. Zut, 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 zut. Où est-ce que j'ai pu en rater une?
Oh, il faudra que je refasse une vidéo express dessus alors. Ça c'était pas prévu prévu. Bon, je peux toujours revenir en arrière. Où est-ce que j'aurais pu rater cette carotte? Voilà qui est très fâcheux. Parce que je suis un peu obligé en fait de tout me retaper là du coup. On va revenir en arrière. Aïe 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 aïe. Heureusement qu'on peut d'ailleurs. Après c'est peut-être bête hein, l'endroit où je l'ai raté. J'espère. Alors est-ce que là, c'est par là, mais on l'a pas vu à cause de l'affichage, mais normalement non. Non, donc c'était vraiment pas là. Ah, j'ai peut-être oublié un bonhomme de neige là-haut. Par contre, alors, je me dis que ce soit au tout début des vidéos comme ça. Zut! Ah, elle est là! Elle est là! Impeccable! Ouais, j'ai bien fait de faire un petit demi-tour là. Hein, parce que je l'avais pas vu. Bon, il faudra vous souvenir que. Il y a une carotte dorée sur une tour et qu'on peut monter facilement dessus. Moi-même, je ne l'avais pas vu. Donc, aux carottes dorées, on est bon. Les réveils, on est bon. Puisqu'on a eu la dernière acmé. Et qu'on a eu donc les 5 étoiles. Bref, nous avons fini ce niveau. Bon, je l'ai un peu rallongé parce que j'ai oublié une carotte. Mais bon, dans l'ensemble, il est long parce que c'est beaucoup de petits niveaux en fait. L'entrée. Voilà. Donc on frôle le bord. On a notre réveil et on va se barrer. Et on va enfin finir ce satané niveau de qu'est-ce qu'on mange à midi. Journée, n'est-ce pas? Dites Sésame. Oui, bah belle journée, dites Sésame, ok. Génial! Et voilà, voilà. Piou! Ah, vidéo plus longue que les autres, hein. Là le niveau était assez long. Fantastique, absolument parfait. Vous avez terminé ce niveau. Aha! Laissez-moi sauvegarder votre position. Oui, alors là on a plein de niveaux à faire. On en a un, deux à finir et deux nouveaux. Merci Merli. Au revoir. Oui, au revoir Merli. Allez, moi aussi je vous dis au revoir du coup pour cette vidéo.
Et la prochaine, ben, on va finir Qu'est-ce qu'on mange à midi. D'ici là, je te souhaite une bonne journée et bon jeu. Salut!